dans ma bibliothèque. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de livres d'actualité. C'est bientôt Halloween. Alors j'ai fouillé dans ma bibliothèque à la recherche de livres que les enfants avaient bien aimés l'année dernière. Je vous montre. Alors ma première petite sélection, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est Choupi. Choupi, fête Halloween. Alors un petit classique et qui marche toujours tellement bien pour les enfants. Donc bien sûr, c'est Halloween, Choupi et sa maman préparent Halloween et des petites surprises. Donc un livre coloré, sympa, comme tous les Choupi. Et du coup, qui va pouvoir apprendre aux plus petits ce que c'est Halloween. Donc Choupi, fête Halloween. Ma deuxième sélection n'est pas un livre de lecture, c'est un cherche-trouve. Moi les enfants adorent les cherche-trouve. Et celui-ci, c'est mon petit cherche-trouve d'Halloween. Alors, bien entendu, il y a plein de belles illustrations sur le thème. Là, ici, on demande à l'enfant de trouver la citrouille qui a sommeil. Quelle araignée a chaussé ses bottes? Quel fantôme a mangé du chocolat? Alors, c'est aussi pour les plus petits, mais du coup, c'est un livre tout mignon et qui permet d'affûter son sens de l'observation. Donc celui-là est des éditions Petit Glénat. Mon troisième livre n'est pas un livre d'Halloween, mais un livre qui plaît beaucoup. C'est un livre sur les animaux de la ferme. Celui-là, c'est Max qui l'avait eu, qui l'a donné à sa sœur, et il sort régulièrement. Je vous montre. En fait, c'est tout simple. Tous les animaux sont noirs, c'est les ombres. Les enfants doivent deviner à qui correspond l'ombre. Et quand ils soulèvent, ils ont des jolies photos. Donc il y a tout ce qui est sur la poule, les chèvres, les chevaux, les canards, l'âne. Enfin bref, vous l'aurez compris, tous les animaux de la ferme. Donc celui-là, c'est un excellent livre pour vos enfants, que ce soit des petits ou des plus grands. Un jeu de devinette, un jeu d'observation, un jeu de logique, un livre de logique. Et du coup, ça plaît toujours, toujours, toujours. Et vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc voilà, c'était ma petite sélection du jour. Donc je résume, les animaux de la ferme, celui-là c'est des éditions Les Grandes Personnes. On a un bon petit cherche-trouve d'Halloween, des éditions Petit Glénat. Et Choupi, fête Halloween, des éditions Nathan. J'espère que ma petite sélection vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre sélection.